un parcours qui est monté en puissance. Et à chaque fois, le groupe et l'équipe a montré ses qualités. Et on est ravis d'être en 16e contre l'Olympique Lyonnais après cette belle performance contre Bagne. C'est vrai que cette qualification fait du bien à tout le groupe, à tout Chambéry, à tout le club aussi. Donc, et en plus, l'opportunité de jouer face à une Ligue 1. Donc, que demander de plus? C'est une vraie récompense pour les joueurs contre un grand club français qui fait partie des top 3 clubs français. En plus, là-bas, dans un stade de 70 places, donc c'est vrai que c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc, c'est un vrai plaisir et puis une vraie récompense pour ce groupe qui travaille bien depuis plusieurs mois, plusieurs années. Je le vis très bien. Après, des matchs comme ça, j'en ai joué plusieurs. Donc pour moi c'est un plaisir que les joueurs de mon équipe vont affronter la Ligue 1. Donc voilà, donc c'est à travers leurs yeux que je prends énormément de plaisir, ça me rappelle de bons souvenirs. Et voilà, donc tranquillement. Solide, très très solide. C'est cuit. C'est bon. On l'avait dit. L'addition, hein. Apparemment quand c'est annoncé c'est doublé. Hein. On va nous payer les pizzas, c'est bon. On reste à peu près dans la même préparation. Après, il y a un contexte un peu émotionnel qu'on doit appréhender par rapport au fait qu'on joue au Groupama Stadium contre une Ligue 1. Mais autrement, dans la préparation, elle reste la même avec le même nombre des séances, du contenu qui est en lien avec notre projet de jeu et puis bien sûr l'analyse de l'adversaire. Donc, on va étudier Lyon cette semaine avec les entraîneurs, le staff. Donc voilà, on verra ça tranquillement. Pour l'instant, on profite du moment. Un point. Il y a eu la victoire en championnat ce week-end qui a amené du baume au cœur et qui a amené de la joie chez les joueurs. Donc voilà, plutôt serein et plutôt l'envie d'être à samedi pour faire ce match. C'est des joueurs qui ont quasiment les mêmes valeurs, qui ont été formés souvent au club ou en tout cas dans le département de la Savoie, donc ils se connaissent depuis plusieurs années. Et c'est une vraie force, c'est vrai que les joueurs quand ils en parlent, le groupe c'est vraiment important pour eux et c'est ce qui nous amène à des résultats comme on a fait en coupe et comme en championnat durant ces dernières semaines. Oui, on se permet de rêver, mais surtout rester humble, travailleur. Ça a toujours été notre identité, nos valeurs. Donc voilà, on va vraiment croquer, j'ai envie de dire, la pomme à pleines dents et vivre ce match en étant acteur et en essayant de faire quelque chose. Ok, fin du jeu.